Qu'est-ce qui transforme un employé de bureau modèle en un tueur complètement fou et assoiffé de sang? Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être enfermé dans un bâtiment avec une bombe dans votre tête prête à exploser si vous ne tuez pas tous ceux que vous connaissez. Mais si tous vos collègues sont également prêts à tuer, comment survivre? Voici les raisons pour lesquelles vous ne survivrez pas à The Bello Experiment. Notre histoire commence à Bogota, en Colombie, aux portes de l'entreprise Belco. Nous faisons la connaissance de certains employés. Wendell est en train de mater sa collègue sexy, Leandra, qui se fait choper en train d'embrasser Mike à la photocopieuse. Et Marty fume un joint dans les toilettes. En apparence, tout semble normal, mais certains détails attirent notre attention. Quelque part, on est en train d'observer secrètement tous les employés de Belco. Visiblement, quelque chose ne tourne pas rond ici. Le bâtiment se trouve au milieu de nulle part, et la sécurité refuse tous les locaux qui y travaillent. Personne ne semble vraiment comprendre ce qui se passe. Bon, c'est vrai que Bogota est réputée pour être l'une des villes les plus dangereuses du monde. Donc même si tout cela est étrange, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Même si j'essaierai quand même de trouver le nom de la société de sécurité. Ces agents n'ont pas d'insigne militaire, ni de police. Donc qui sont-ils vraiment? En attendant d'en savoir plus, moi je préfère rester en télétravail. Mike, l'un des employés, aperçoit un des gardes qui se dirige vers un hangar voisin et demande à la sécurité qui sont ces types. Evan n'en sait rien. Ils sont arrivés après qu'un email a été envoyé par le siège de l'entreprise. C'est à ce moment-là qu'un message est diffusé dans les haut-parleurs. La voix dit « Arrêtez-vous immédiatement et restez attentifs. Tuez deux de vos collègues dans la prochaine demi-heure. S'il n'y a pas deux morts dans ce bâtiment d'ici 30 minutes, il y aura des répercussions. » Ok, donc personne ne capte vraiment ce qui se passe et ils prennent vraiment ça à la rigolade ou alors ils s'en foutent totalement, ce que je ferais vraiment pas à leur place. Vrai ou pas, vaut mieux se préparer à deux éventualités. Quelqu'un a quand même réussi à pirater le système de sonorisation d'un bâtiment financé par le gouvernement, à couper les lignes téléphoniques et à menacer les employés. Personne n'est vraiment en train de réfléchir à une tactique pour tuer deux personnes. Et à leur place, vous le feriez probablement pas non plus. On pourrait chercher à savoir de qui provient ce message, mais ce sera pas très utile pour le moment. Le plus sûr, ce serait plutôt de prendre ce message au sérieux et de sortir du bâtiment. Mais ce n'est pas votre premier réflexe, et c'est exactement pour ça que vous n'allez pas survivre à cette situation. Soudain, d'épaisses plaques de métal barricadent l'ensemble du bâtiment, condamnant les fenêtres et bloquant les entrées. Il n'y a plus de wifi et les téléphones portables ne captent plus. Dans la panique, tout le monde se dirige vers le rez-de-chaussée pour essayer de sortir. Mais ils sont enfermés. Barry, le directeur de la boîte, parvient à calmer tout le monde en expliquant qu'il pense que le bâtiment a été piraté. Je conseille toujours de prendre le rôle du leader, car c'est une position qui permet de choisir qui vit et qui meurt. Le leader n'est pas non plus susceptible d'être sacrifié car les gens le considèrent comme un atout précieux pour le groupe. Il peut influencer les gens pour exécuter ses plans, que ce soit pour obtenir de l'aide, s'échapper ou sacrifier quelqu'un. Pour essayer de s'échapper, Lonnie et Bud, les deux mecs de la maintenance, tentent de brûler la barricade à l'aide d'un chalumeau. Mais ça ne semble pas fonctionner, le métal ne chauffe même pas d'un degré. Il semble assez clair que c'est plus qu'un simple piratage, du moins c'est ce que Mike pense. Les barricades semblent avoir été conçues pour garder les gens à l'intérieur. Et ce n'est pas une coïncidence s'il y a de nouveaux gardes aujourd'hui qui se rendent dans le hangar voisin. Certains employés décident de monter sur le toit, mais il n'y a toujours pas de réseau, et ils tombent sur Marty et Chet en train de fumer des joints. Ce qui ne va pas les aider. Un des techniciens essaye d'attirer l'attention du garde en bas, qui les ignore complètement, buvant son thé comme si de rien n'était. Marty pense qu'il s'agit juste d'un test et ne prend pas la situation au sérieux, jusqu'à ce que la tête de quelqu'un explose. Les employés pensent qu'il s'agit d'une fusillade et commencent à courir dans tous les sens. Mais en regardant les blessures de plus près, ils aperçoivent que leurs têtes ont explosé de l'intérieur. Mike comprend soudain pourquoi les locaux ont été refoulés ce matin et pourquoi la tête de ses employés a explosé. C'est à cause des traceurs qu'ils ont reçus lorsqu'ils ont commencé à travailler pour Belco. Et les travailleurs locaux, eux, n'en ont pas. Comme Vince l'a dit à Danny un peu plus tôt dans le film, les traceurs sont implantés chirurgicalement dans la tête pour tout nouvel employé de Belco, pour des raisons de sécurité. Ce qui n'est probablement pas très légal. Si un employeur veut m'insérer une puce dans la tête comme un animal, je me tire direct. La plupart des entreprises qui mettent des puces à leurs employés le font dans leurs mains. Maintenant que la tête des gens commence à exploser, vous pouvez être certain que ce n'est pas un exercice et vous devriez commencer à tuer dès que possible. Prenez une arme immédiatement. Il y a des couteaux et des rouleaux à pâtisserie dans la cuisine, des extincteurs dans tout le bâtiment, des clés à molette et des marteaux au sous-sol. La plupart des gens choisiraient le couteau. Mais les couteaux ont une faible portée et nécessitent un niveau de compétence plus élevé que le maniement d'un marteau ou d'une clé à molette. Mike court aux toilettes et essaye désespérément d'extraire la puce de sa tête. Mais la voix lui donne 10 secondes pour arrêter ce qu'il est en train de faire. La voix lui dit « Posez ce couteau immédiatement ou nous ferons exploser votre tête. » Il s'arrête juste à temps. C'est une bonne idée en théorie, mais qui pose quelques problèmes en pratique. Même avec de l'aide, il est peu probable que vous sachiez où commencer à chercher. Le cou est une partie vitale du corps qui ne doit pas être charcutée à l'aveugle. Il y a des nerfs, des tendons et des artères qui, s'ils sont coupés, peuvent blesser mortellement quiconque essaye de jouer au docteur. Terry et Vince découvrent des caméras cachées dans tout le bâtiment.
mais la voix leur ordonne d'arrêter de saccager le matériel. Barry demande les clés de l'armurerie à Evan, le garde, qui ne lui donne pas. Même lorsque Barry sort la carte du « Je suis ton patron, tu dois m'obéir », Evan lui répond qu'il démissionne et garde les clés de l'armurerie pour lui. La voix intervient pour faire une nouvelle annonce. « Vous êtes actuellement 70 dans ce bâtiment. D'ici 2 heures, si 30 d'entre vous ne sont pas tués, nous mettrons fin à 60 de vos vies. Par nos propres moyens. Commencez. » Ok, donc là c'est le bordel total. Certaines personnes partent chercher des armes, comme Wendell, d'autres cherchent un endroit où se cacher. Il faut bien le reconnaître, s'emparer de bonnes armes dès le début, ça donne un sacré avantage. Couteau, rouleau à pâtisserie, hache, stylo, ciseaux, balai, tasse de café. Si ce n'est pas pour tuer, il faut au moins pouvoir se défendre au cas où les choses commencent à déraper. D'un autre côté, se cacher est le meilleur moyen de se protéger sans utiliser la violence. Personnellement, je me cacherai dans le bureau de Vince, car c'est la seule pièce du bâtiment qui n'est pas entourée de murs de verre. Sinon, je chercherai les gaines de ventilation où je pourrais me cacher. Marty active l'alarme incendie et tout le monde commence à paniquer. Activer l'alarme pour obtenir de l'aide, ce n'est pas une mauvaise idée, mais l'alarme de Belko est sur un système fermé. Elle n'est pas reliée aux pompiers, aucun secours n'interviendra. Ce qui s'avère donc complètement inutile. Les mecs de la maintenance se rendent au sous-sol pour réparer la clim, mais Lonnie devient complètement fou. Même si Bud essaye de le calmer, Lonnie se déchaîne et le tue en lui défonçant la tête à coups de clé à molette. Tu aurais dû apporter cette flèche, Yondu. Tuer des gens est un mal nécessaire pour survivre. Dani l'apprend rapidement lorsqu'elle est attaquée par Lonnie, mais elle parvient à le tuer en le poussant contre ses barres de métal qui dépassent du mur. Ok, c'est pas super réaliste. Elle est beaucoup plus petite que lui et il pourrait facilement la maîtriser. Même si elle prenait la fuite, il la rattraperait, car les hommes sont en moyenne plus forts et plus rapides que les femmes. Non, je rigole. Elle ne survivrait probablement pas et vous non plus. Au même moment, à l'étage, les employés sont divisés en 2 catégories. D'un côté, Mike dit que personne ne devrait tuer qui que ce soit, et de l'autre, Barry, qui est clairement du côté des tueurs. Visiblement, Barry est un peu assoiffé de sang et il prévoit de récupérer les armes dans l'armurerie. Nous pouvons utiliser cette situation à notre avantage, préparant notre équipe de défenseurs. Quand ils réaliseront que ce type veut nous tuer, ils vont se battre pour survivre. Notre équipe va probablement subir plus de pertes, mais Barry et son groupe vont aussi se faire tuer. Mike et Leandra remarquent que le chalumeau a disparu du hall. Ils découvrent que l'équipe de Barry est en train de l'utiliser pour ouvrir la serrure de l'armurerie. Mike pense que c'est une mauvaise idée. Tout le monde serait beaucoup plus en sécurité sans ses flingues. Soudain, Evan sort son arme et leur demande d'arrêter. Mike le raisonne et récupère le pistolet, tirant dans le tuyau du chalumeau. Et ce geste était plutôt stupide. Ça n'a fait que montrer clairement à Barry que Mike est un ennemi et qu'il est maintenant le premier sur la liste des gens à tuer. Il aurait pu utiliser la situation à son avantage en laissant les choses se dérouler. Evan les aurait probablement abattus s'il n'avait pas arrêté de brûler la serrure. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul mec avec un flingue au lieu de 3. Mais si vous voulez absolument intervenir, il y a 2 choses que vous pouvez faire. La première consiste à se débarrasser des clés de l'armurerie et à les jeter du toit du bâtiment où personne ne pourra les récupérer. L'autre option est de se joindre à eux et de leur proposer votre aide, en leur disant que vous avez changé d'avis et que vous êtes d'accord avec leur plan. Non seulement nous gagnons la confiance de l'équipe de Barry, mais nous sommes également protégés des personnes les plus dangereuses du bâtiment. Et si les choses tournent mal, ils seront beaucoup plus faciles à tuer s'ils nous font confiance. Mike et ses collègues essayent d'accrocher des bannières, mais les gardes en bas commencent à leur tirer dessus. À la 2e tentative, l'un des employés se fait tirer dessus et la voix leur ordonne d'arrêter sous peine de mort. C'est une tentative ratée qui n'a pas été vraiment réfléchie. Ils ont accroché le message à la vue de ceux qui veulent les tuer. Si accrocher des bannières c'était vraiment une stratégie envisageable, on devrait les accrocher de l'autre côté du bâtiment. Une meilleure solution serait de prendre un tas d'objets et d'en faire un feu de détresse. Les gardes ne seraient pas en mesure de l'éteindre et ils seraient visibles de beaucoup plus loin. Une fois que le feu est assez grand, il serait impossible de l'éteindre même si la voix nous l'ordonne. Barry et son équipe leur tendent une embuscade dans la cage d'escalier, assomment Mike, tuent Evan et prennent l'Andrea ainsi que les clés de l'armurerie, d'où ils trouvent suffisamment d'armes et de munitions pour le groupe. Armés jusqu'aux dents, ils remplacent tous les employés dans le hall et commencent à les trier en groupe, épargnant ceux qui ont des enfants et sacrifiant les plus vieux. Mais Barry se rend compte qu'il n'y a pas assez de vieux pour atteindre le quota des 30 personnes tuées. Il commence alors à choisir des gens au hasard, dont l'Andrea et Mike. Je continuerai de collaborer avec Barry car c'est une manière d'être épargné. Pour gagner leur confiance, je suggérerais, en tant que grosse bâtarde, de choisir tous ceux qui ont un handicap, les mauvais employés et tout le département des ressources humaines. Ne vous inquiétez pas, je crois qu'ils l'ont bien cherché. Ils alignent tout le monde pour les exécuter mais ils ne réalisent pas qu'il manque quelqu'un. Se cachant dans le sous-sol, Dani a un plan. Au moment où Mike est sur le point d'être tué, Dani atteint le disjoncteur et éteint toutes les lumières. Les gars commencent immédiatement à s'enfuir en courant. Les tireurs se déploient dans tout le bâtiment, mais les rôles s'inversent. Kiss se fait tuer en essayant de rétablir le courant. Benjamin se fait descendre par Mike et cette femme. De son côté, l'Andrea récupère une lame d'un coup de papier, enlève ses chaussures et les pose derrière un bureau, tandis qu'elle se cache derrière un autre. Quand Terry arrive, il est distrait par les chaussures, ce qui donne le temps à l'Andrea de l'attaquer et de lui couper la main.
Moi, j'aurais tué Terry d'abord parce qu'il a essayé de me tuer, mais aussi parce que ça nous rapproche du but des 30 personnes à tuer. Maintenant, un conseil pour vous, mesdames, enlevez les talons quand même. Avant que vous soyez la meuf dans Jurassic Park, vous ne pourrez pas courir comme ça. En plus, c'est super brillant, et pouvoir se déplacer silencieusement, c'est un bon avantage dans cette situation. La voix fait soudainement une autre annonce. Il manque un corps. Nous sommes désolés de vous informer que 31 employés supplémentaires vont être éliminés. Barry est un peu contrarié, car il a fait tout ça pour rien. Les têtes des gens commencent à exploser de partout. Et lorsque la situation se calme enfin, les règles changent soudainement. D'ici une heure, celui qui aura tué le plus de personnes pourra sortir vivant. Le décompte actuel est le suivant. Barry Norris, 11 morts. Wendell Dukes, 7 morts. Vincent Augustino, 1 mort. Daniel Wilkins, 1 mort. Ce cachet nous a peut-être permis de survivre jusqu'ici, mais maintenant, ça ne peut que vous être fatal. C'est le moment de traquer les gens et de tuer tout ce qui bouge. Quand votre survie en dépend, on ne peut faire confiance à personne. Donc je refuse de faire équipe avec qui que ce soit. Une stratégie que Wendell utilise pour massacrer 4 personnes dans les toilettes pendant que Barry monte dans un ascenseur. À l'intérieur, il commence à entendre des bruits venant du plafond. Il tire à travers la trappe. Dani trébuche et tombe sur un rebord, laissant derrière elle Roberto, qui se fait réduire en pâté par le plafond. L'utilisation d'un ascenseur est un pari dans cette situation. Il n'y a nulle part où se cacher si quelqu'un vous repère, et il n'y a que 2 sorties. Cela dit, je ne l'utiliserai que si j'étais caché en haut de l'ascenseur avec une arme. Comme ça, si quelqu'un entre, je peux l'attaquer par surprise, comme Batman, ce qui rend le meurtre plus facile. L'Andrea trouve Marty et Chet en train de fouiller dans la tête des employés abattus, retirant les traceurs qui n'ont pas explosé. Il prévoit de les utiliser pour faire un gros trou dans la plaque métallique qui bloque l'entrée du bâtiment. En fait, c'est une idée plutôt intelligente. L'Andrea cependant a une très mauvaise idée car elle utilise les haut-parleurs pour dire à Marc de la retrouver au premier étage, indiquant à tout le monde où est-ce qu'elle se trouve. Donc évidemment ne faites surtout pas ça, n'importe qui dans le bâtiment sait où se trouve le micro et peut deviner où est-ce que vous êtes, ce qui est extrêmement dangereux dans un bâtiment barricadé où les gens cherchent à vous tuer. Ce que vous devez faire, c'est rester discret et tuer tranquillement autant de personnes possibles comme John McCain. L'Andrea trouve Wendell en train d'attaquer quelqu'un à la machette. Il s'engage dans une fusillade, les laissant tous les deux sans munitions. Se cachant derrière une table, elle le pousse alors qu'il tue les 2 fumeurs. L'Andrea réussit tout juste à le coincer et à lui taillader le visage avec une hache. Il y aurait beaucoup trop de raisons pour que ça tourne mal autour d'elle. Elle est trop légère et le temps d'abattre la hache sur lui, il devrait être capable de se relever et de prendre le contrôle de la situation. Mike retrouve l'Andrea dans le hall, où elle lui remet les traceurs explosifs. Au même moment, Vince arrive et balance tout un tas de cocktails Molotov sur eux, foutant le feu à un de ses collègues. Les cocktails Molotov sont simples à fabriquer et super mortels, mais les balancer dans un espace ouvert, c'est pas très efficace. Je les aurais poursuivis dans la cage d'escalier où il y a moins d'espace pour les esquiver. L'Andrea et Mike montent les escaliers pour s'enfuir, mais ils tombent sur Barry qui leur tire dessus. Ils reviennent sur leurs pas, mais Barry tue Vince et tire sur Danny. Mike se cache dans un casier avec l'Andrea qui meurt d'une hémorragie. Alors que Barry arrive, Mike se précipite hors du casier et se jette sur Barry, mais il est clairement dépassé. La force, ça va pas fonctionner ici. Mike doit se battre intelligemment. Barry a plus d'expérience, plus d'entraînement, et il a une arme, donc il vaut mieux attendre que Barry soit distrait, se placer dans son angle mort et l'attaquer par derrière. Si on en arrive à un combat au point, vous n'avez aucune chance de survivre. Barry a de l'expérience au combat alors que Mike est physiquement plus faible. C'est un coup de chance si Mike s'en sort vivant. Trouver de quoi défoncer le visage de son patron juste à portée de main, c'est peu probable. Mais il ne faut que quelques coups pour que Barry meure et Mike est traîné hors du bâtiment, alors que la voix le félicite pour sa victoire. Il est emmené dans le hangar voisin, où il peut enfin rencontrer l'homme derrière la voix. Ce type à l'allure de Quasimodo lui dit que tout cela faisait partie d'une expérience sociale internationale. Mike est à bout et balance à la voix qu'il a glissé quelques traceurs dans les poches des 2 gardes et de la voix. Mike se précipite alors vers le plateau de contrôle et commence à actionner les boutons. Honnêtement, c'est la meilleure et la plus intelligente action de tout le film. Il est difficile de survivre dans cette situation. Ces soldats ont la gâchette facile et ils vont vous cribler de balles avant que vous n'atteigniez votre but, vous laissant mort sur le sol. En sortant du hangar, Mike retrouve la liberté. Et pour combien de temps ? Il est toujours surveillé par plusieurs caméras, de même que des centaines d'autres personnes qui sont toutes surveillées depuis le même centre de contrôle. Les images proviennent des différents sites de Belco à travers le monde et une voix informatisée annonce. Fin de la première étape, début de la deuxième étape. Mike et les autres gagnants doivent réfléchir très sérieusement à ce qu'ils vont faire, car plus que jamais, tout peut arriver. Et voilà tout ce que vous devez savoir pour survivre à The Belco Experiment. N'oubliez pas de consulter la playlist Comment battre sur la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos. Et d'ici à la prochaine fois, passez une super journée.